Yo. Ready? Really, nigga? Yo tout le monde, c'est TipsIron, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer le let's play sur Alien Isolation. Vous allez me dire, ah enfin! Oui, alors je suis désolé pour l'absence et le manque de vidéos ces dernières semaines, mais je vous avoue que j'étais complètement débordé et les autres aussi. Donc du coup, on n'a pas pu faire grand-chose et d'autant plus que j'essaye de faire marcher. Où est-il là? Il est là. J'essaye de faire marcher cette merde depuis des semaines et les logiciels ne fonctionnent pas correctement. Du coup, c'est très chiant. Donc, c'est un casque de réalité augmentée, comme vous pouvez le voir. Je vous ferai une vidéo dessus pour un peu tout vous expliquer. Et du coup, j'étais censé faire le let's play avec. Mais je n'arrive pas à faire marcher les logiciels parce qu'ils bug. Du coup, c'est assez insupportable. Donc, on va faire ça à l'ancienne. Hein. Écoutez, let's go. Alien Isolation, non? Écoute, je savais même pas qu'il y avait un mode survie. Continuer la partie. Ah non, on peut pas. C'est là que tout se joue. Expert. Expert parce que Cauchemar m'a dit qu'il y avait des options en moins du type le capteur comment on dit, de présence et tout ça. On va peut-être couper ça parce que c'est un peu chiant. Voilà, alors on va opter pour une vidéo un peu plus genre courte, enfin pas courte, mais genre un peu plus coupée avec plus de cuts que Amnesia, histoire de faire un peu plus dynamique. Parce que Amnesia, c'est vrai que ça faisait genre et très peu de cuts, du coup c'était assez lent. Donc on va essayer de faire un truc un peu plus propre cette fois, un peu plus travaillé. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, si vous préférez comme ça ou Dernier comme rapport du Amnesia. véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Sont morts. Kane. Lambert. Parker. Brett. Oui, on a compris. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. Et parce qu'il faut savoir que j'ai revu le film il y a pas longtemps La pour me remettre dans le cargaison et truc. l'appareil détruits. C'est Ils devraient atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. 100% inspiré du Avec de la film. chance, le Ça vient réseau devrait me 100% du repérer. film. Film original, hein, le 1, bien sûr, je parle. Ils Ici, l'ont pas vu. Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Oh, oh, oh. Ripley? Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. Allez, ta gueule. Je pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. Ah, j'ai jamais vu un vent aussi violent de ma vie, je crois. C'est un vaisseau de commerce appelé l'Anessidora qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça? Hein? Zeta Reticuli. Déjà, on joue la fille de l'héroïne dans le film, apparemment. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Alors, je vous le dis cash, la compagnie, c'est des FDP. Hein. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement. Mettez-vous ça bien dans le crâne, parce que... C'est une plateforme d'accès Je sais ce libre. que c'est. Elle est violente, hein. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours. Notre voyage vers la station. Notre? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley. Quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. Il y avait des sites extra-conjugaux. Pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu? Vous la cherchez encore, n'est-ce pas?
J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Sa mère dans le film a survécu. Que ce sera l'occasion de tourner la page. Faut être un peu dans le contexte, hein, parce que sinon... Et vite, on est perdu, je pense. Ça, c'est sommeil cryogénique, ça. On a vu la même dans Fallout. Putain, c'est beau! La vache! La vache, je suis assez étonné. Par contre, ça, je sais pas si ça lag un peu. Ouais, ça lag peut-être un peu. Bon voilà, je suis passé du ultra élevé, hein. On va pas non plus en faire un scandale. Je sais pas si ça lag trop par la suite, mais putain, les graphismes sont vraiment beaux. Hein. Le jeu, il date de quoi du coup? 2013, 2014. Je dis peut-être une connerie, hein. 2014-2015, je dirais. Habillez-vous. Ouais, mais ça peut être bien. Surligné. Je peux surligner. À quoi ça sert? Quelle est l'utilité? Une petite douche calmement. Où est-ce qu'on s'habille? Ah voilà, ça c'est le truc pour sauvegarder la partie. Attendez, j'ai fait tellement de choses. Si je perds tout ce que j'ai fait là, je crois que je rage quitte, hein. Clairement, j'ai dû faire la moitié du jeu, hein. Où est-ce qu'on s'habille? Là. C'est vrai que c'était une porte, c'était un placard. Oh. L'objectif le plus dur du jeu, hein. De loin. Là, je pense qu'il devrait mettre un succès. Hein. Habillez-vous. N'arrivez par où? Ok. Je pense qu'il faut pas s'attendre à voir un alien tout de suite, hein. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal. On va aller par là. Là, il y a un Jean. Il y a un Jean. Lui, c'est un synthétique ou pas, par contre? Samuels, vous êtes déjà debout? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. Ouais, donc il y a moyen que ce soit un synthétique. Hein. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que Taylor est réveillée? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Je l'ai pas vue. Je vais la rejoindre. Ah ouais, on peut se pencher avec contrôle. Ok, donc lui, je sais pas si c'est un synthétique ou pas, parce qu'il faut savoir, encore une fois, comme dans Fallout, qu'il y a des synthétiques de la compagnie qui font partie de l'équipage. Et qu'on ne repère pas forcément, et qui sont des gros FTP assez dangereux. Par où il faut aller? Ah, c'est elle, Samuels. Taylor, bonjour. Ripley, y a rien de bon dans cette journée. Et je pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon. Je me sens trop mal. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y habitue. Je fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland Yutani ait embarqué une juriste. Elle est rire ou pas? La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. Non, parce que ça me fait pas rire. Qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolé, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... Parle pas de ma mère, wesh. On y trouvera chacune notre compte, parole. Parle même pas de ma mère, wesh.
T'as vu Samuels? Je parle pas des mamans. Ça doit faire des heures. Ah non, je suis con, c'est bien à elle qu'il fallait que je parle. Bon, je lis ça rapidement, hein, si vous voulez les lire. Vous faites pause, parce que mine de rien, c'est assez intéressant toute l'histoire qu'il y a derrière. J'ai pas vu ce que c'était mon objectif. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme. Ça devait être ça. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti, au boulot. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Taylor, mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente? ISMG chargé, calibré, vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Ok, on va prendre ça. Waouh. Là, je deviens pas fou, il y avait un truc là, je pouvais appuyer. Ah bah voilà. C'est quoi ce jeu qui me troll, c'est une blague ou quoi? Les deux fois que je passe, il y a écrit appuyer sur machin. Quand je repasse, ça disparaît. Mais wesh. Ah, il est là. J'ai rarement aussi galéré pour ramasser un dossier, quoi. Est-ce qu'on pourrait voir? Là, voilà la station. Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Je pense qu'on devrait pas y aller du tout, en fait. Il y a des dégâts? On dirait bien que oui, en effet. On devrait juste faire demi-tour. Resserre-langue. Mais ce serait pas drôle, sinon. La cale sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Saint-Clair, immatriculé MSV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi trois passagers pour le compte de la Wayland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Ah si, il y a quand même des gens dessus. Je pensais que tout le monde était mort, mais pas du tout. Marshal ? Bah, ils ont l'air bien là-bas. Ils ont l'air en pleine forme et en parfait état. Les communications de la station ont l'air bousillées, donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Elles sont bien détaillées, les armures. Bah, les combis. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. C'est vraiment assez beau. Bon putain. Voyage. Ça change de Amnesia qui avait des graphismes dégueulasses. Et de la plupart des jeux d'horreur d'ailleurs où les graphismes c'est un peu voilà, on s'en bat les couilles. Ah c'est beau vraiment. Il faut savoir que ce jeu il a été extrêmement bien noté hein, quand il est sorti. Il a été très 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 bien noté hein, comme jeu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh putain, Ripley. Tu t'en sors bien, Taylor. Oh putain. Oula. Oh, c'est qui est coupé? Rien que le son avec le casque, c'est... Pff, on a l'impression d'y être. Oh, bon, ça va, c'est pas moi, je m'en bats les couilles. C'est bon alors, ça va. Du moment que je suis en vie. Du moment que je sauve ma peau. Lag un jour, chaque deux jours. Ok, je pense qu'on est dans l'entre de la bête, là, ça y est. Ils perdent pas de temps, hein, dis donc.
Ils perdent pas de temps. Et c'est tant mieux. Allez, debout. Ok, on va voir s'il y a encore du petit Jean vivant dans ce vaisseau. Hop là. Je me demande s'il y a des trucs à ramasser en fait, sur les côtés. Je vais essayer de regarder un peu. Vous serez averti si des ennemis sont proches. Ah oui, ça peut être pratique parce que si t'enregistres juste avant de te faire bouffer, c'est un peu chiant. Ah, c'est bien fait, tu peux même genre regarder sur les côtés en sauvegardant et tout. Oh, je sens qu'il va être tard ce jeu. Je sens qu'il va être bon. Alors, comment je... Ah, je peux même pencher en avant et tout. C'était... Par contre, comment je m'accroupis? Hein? Ok, là on est mieux. Bon, du coup, putain, je pense que l'alien en fait il va arriver vraiment tôt. Hein. C'est ouf là, putain, j'ai peur qu'il arrive déjà. Hein. Ah, je m'attendais pas à ce que ça démarre aussi vite. Ah, c'est chaud quand même. Par où on passe? Là, je saute. Sérieux? Non, je saute pas. Non, je peux pas de toute façon. Ah, je passe par là. Ok, on va commencer par passer par les conduits d'aération. Ça, je n'aime pas du tout, du tout. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est flippant. C'est beau. C'est bien fait. Je sens qu'on va s'éclater. Je me demande pourquoi j'ai pas fait ce jeu plus tôt. Par contre, ça, j'ai horreur. Les conduits d'aération, genre, quand tu sais que t'as l'alien derrière toi et que tu rentres dans le conduit et tu sais pas s'il va t'attraper ou pas. C'est stressant as fuck, c'est horrible. Il va me faire tellement me chier dessus ce jeu. Ça va être drôle. Pour vous, ça va être drôle. Fichier corrompu. Sébastopol en service. Et fichier corrompu, on d'accord. Hop là, on a rien par là. Ah, là, il y a un truc là. De la Camelot 15. Pas des schémas. Ah, sympa, il y a un système de craft. Ah, c'est cool ça. Oh. Ah, j'ai sursauté. Oui, mais il est horrible ce jeu. Oh. Ah, je m'attendais tellement pas. Je pense que c'était assez obvious, mais là. Putain, si déjà, genre 15 minutes de jeu, ils arrivent déjà à me faire flipper sans monstre, putain, qu'est-ce qu'ils vont me faire avec l'alien, quoi. Ça va être bon. Ça va être un bon jeu. Oula, oula. Quoi, ce vaisseau détraqué de mes deux. C'est quoi cet endroit? You always know. Et donc les gens ils ont pété un câble. Keep moving. C'est le tag pas trop flippant, tu vois. Genre t'es là, tu te balades, t'entends des bruits à côté de toi dans les conduits, tu vois un tag keep moving, tu vois, t'es bien. Dans ta tête t'es bien, en fait. Des échelles comme ça en plus c'est la mort. Fumigène. Ah bon, ça met bien ça. Une petite musique comme ça, tu vois, style un peu, voilà. Un peu mambo, tu vois. Ça met bien. Y a quelqu'un ? Non, ça t'évite ça. Le « et où il y a quelqu'un », ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Sauf pour attirer les monstres éventuellement.
Il n'y a jamais rien qui marche ici. Mettre à jour la carte, utiliser tab. Ah, on a une map quand même. Parce que je pense qu'on spawn très vite hein, dans ce vaisseau. Terminal des vols spatiaux. Qu'est-ce qu'on a là, des enregistrements. Et là, on a des fiches sur les personnages. Et c'est quoi ça? Ouais, qu'est-ce que je fais de mal, je crois. On va juste le faire trois fois. D'accord, donc là j'ai dû activer le courant, je pense. Et on a une petite maquette de la station. Je l'ai bougé. Ah, c'est inintéressant. Établir le courant des départs. J'adore ce mot, sauver la partie. La vieille traduction de save. Là, tu dis sauvegarder, tu dis pas sauver. Et mauvais côté. Ah non, j'en dis. Par où on va là du coup? Merde, j'ai dû ouvrir en haut. Non, je n'ai pas ouvert en haut. Comment on fait pour rétablir le courant? C'est ça? Non. C'est ça? Non. Et quoi? Ah merde, putain! Je suis vraiment dans le trou du cul. Dans le truc où je vous ai dit. Ah, ça c'est inintéressant. Il y avait le mot de passe pour ouvrir la porte. Un autiste. Par contre, j'avais pas vu qu'il y avait une barre de vie, putain. Il y a une barre de vie dans un jeu d'horreur. Ça va être assez relou. 0340. S'il apparaissait bien en bleu. 0340. Je sais qu'il est tard, mais j'ai quand même essayé de retenir au moins 4 chiffres. Je pense que je peux le faire. Hop là. Ah, j'ai trouvé un schéma. Oui, bah j'appuie sur un, mais ça là. Ah, faut laisser appuyer. Ok, je suis un peu con. M'en voulez pas. Oula, ça m'a l'air compliqué comme truc. Cliquez ici pour fabriquer. Fumigène. Ça m'a l'air compliqué. Engager éléments. Ok, bon, je pense que je peux. J'ai pas encore de quoi le faire. Pour l'instant, on va ramasser des trucs, on verra tout ça plus tard. Je pense très vite, les trucs de soins, je vais en avoir besoin. Ok, par où on va maintenant? Ça nous a pas beaucoup aidé hein, tout ça. On a juste ramassé de la merde. Je vais voir la map. Restaurer le courant du store. D'accord, donc j'ai toujours pas restauré le courant en fait. C'est honteux ça. Même les portes me respectent pas. À partir de là, je peux faire quoi? Ah ouais. Donc en fait, à partir des terminaux, on peut activer des trucs, ça j'avais pas compris. Oh, what the fuck. Oh, il m'en fait peur, c'est con. What the fuck. Moi j'ai cru que c'était je sais pas quoi. Oh merde, ils m'ont fait trop peur. Ouais, ouais. Ah. Même ça, ça m'a fait surtout sauter quoi. Oh la vache. J'étais en mode... C'était pour rigoler, j'étais... Oh, on va essayer de contourner le fil électrique, on va pas se prendre une décharge. Et ben on se prend vraiment des décharges, on perd vraiment des vies. Non, c'est réaliste.
C'est réaliste en fait. C'est vachement bien. Je devrais pas dire ça, mais il aurait mérité que je le paye. Oula. Je me cache. Ah ouais? Je suis là. Je suis là. Verlaine. Coucou. Je suis là. En fait, je me cache pas du tout. Faut que je fasse l'inverse. Putain, merde. Ah, c'est qui le gamin qui ferme les volets, là? Eh, en vrai. C'est l'alien. Hein. Je sais que c'est toi. Putain, les sons de ce jeu sont flippants. Hein. Oh. Normalement, vous devriez entendre assez bien. Et la vache. On est dans une atmosphère de mort. Oh, on peut pas faire une petite partie là? C'est trop marrant ça. Hop là, mitrailleux. Une fois. Deux fois. Et trois fois. Et boum. Et boum. Ok, on ouvre les portes. Ouais, bon, ça par contre, c'était absolument pas effrayant. Pour le coup, autant je flippe pour de la merde, autant là, c'était censé faire peur, mais... Ah ok, donc il y a bien déjà des problèmes qui affectaient la station, machin. Je sais pas de quand ils datent tous ces messages, mais et apparemment c'était déjà la merde depuis un certain temps. Ramasser un mélange. Débat. Ça a semé la panique et à présent Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par force. On ne peut plus compter que sur soi-même. OMG. L'avez-vous vu? Est-ce que vous l'avez vu? Voilà, on a déjà la... Ils ont spoil en fait, on a déjà la solution du jeu, on a déjà la fin du jeu en fait. C'est les Illuminati. Tout ça, c'est juste les Illuminati en fait. Tout est orchestré par eux. Après, c'était prévisible entre nous. Mais voilà, mais... Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est l'explication à tout? Il y a un signe Illuminati, un 42 en dessous, c'est à partir de là, tout est résumé, quoi. Le jeu est résumé. Soudeur ionique requis. Non, mais il y a un 42 en face. Avec un 42, je peux tout faire. J'ai pas besoin de soudeur ionique. On va les couilles. Oh là 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 là. Putain, des génies quand même qui ont créé ce jeu. Hein. Des vrais génies qui ont créé ce jeu. Oh putain, j'ai trouvé. Il y avait un conduit sous le sol. C'est pas évident, faut bien regarder quand même pour les trouver les trucs. Hein. Allez, je suis avec ma fumigène comme un gamin. Quelqu'un me tombe dessus. Je ne peux rien faire. Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'une lampe. J'ai peur de n'importe quoi, mais pas d'une lampe. Je refuse d'avoir peur de vos lampes. Encore un 42. Devient de plus en plus flippant. Tout est en train de partir en morceaux. Non. Tu crois? J'avais pas vu. On ne peut pas sauter?
Alors, du coup, comment on fait? On utilise ça. Et c'était censé être utile ou... Ah, d'accord, je suis con. Faut passer là. Parce que j'étais... Ouais, t'as reculé et du coup... bon, ça nous avance en quoi? C'est horrible, hein, ça trempe de partout. C'est horrible. Oh putain, y'a un mec. Oh, c'est un humain. Parce que je sais... là, vous me dites que vous dites que je suis une sous-merde et que j'ai peur d'humains, mais je sais qu'il y a des humains méchants dans le jeu et que c'est justement les synthétiques et que eux, vraiment, ils t'attaquent. C'est pour ça, en fait, que quand je vois un humain, ça me fait aussi peur que si je voyais n'importe quel autre truc vivant. Non, c'est grand. C'est tellement grand. Ah, ça c'est fait. Ça se fait tellement de bruit quand je touche à un truc, c'est horrible. Ça fait beaucoup trop de bruit. Mais il faut combien d'outils là pour ouvrir tous vos trucs? Torche à plasma. Oh les gars, là, je peux pas avancer quoi, j'ai rien. Ah. Non? Excusez-moi, j'ai cru que peut-être je pouvais faire un truc, mais absolument pas en fait. Oh tiens, cadavre. On voit bien que c'est le premier cadavre qu'on voit. Oh, attends, un truc qui respire fort juste à côté. Putain, j'en ai froid dans le dos de ce jeu. Ah, c'est des... Ah, putain, c'est des sacs mortuaires. Oh là là. Et encore, j'ai pas le son du jeu très fort dans le casque, hein, parce que sinon, vous entendrez même plus ma voix. Mais je pense que sinon, si j'ai vraiment j'avais mis fort... Ah, ok, on peut se cacher. Ah non, mais non. Du coup, s'il y a des placards pour se cacher ici, c'est pas bon signe. En général, c'est pas bon signe. Pas du tout. Pas du tout bon signe. Non, t'en referme pas. Là, je vous avoue qu'il y a la pression qui monte là. Hein. Là, je m'en bats les couilles clairement du cadavre. Tout ce que je vois, c'est l'outil en fait. Moi, j'ai appris à, dans le jeu d'horreur, j'ai appris à faire la part des choses et à rechercher ce qui est utile. Oula. C'était un truc vivant, ça. Me faites pas croire que c'est un bruit de type naturel. Ça, c'était un truc vivant. Oh merde. J'aime tellement pas ça. Les échelles, c'est le pire quoi. Genre, c'est tellement facile de mettre un screamer au bout d'une échelle. C'est horrible. Mon dieu. En plus, je suis dans le noir. L'outil. Ah, je veux. C'est quoi, un outil de maintenance? Allez, donne là, wesh. Je
crois que j'en ai plus besoin que toi. Ah ouais, pourquoi tu fais la meuf hein? Tu me le donnes et tu te calmes, t'es morte déjà. Ok, y a moyen de sortir par là ou... Ouais. Ok, donc maintenant je peux retirer les verrous. PQ. Oula, mais genre c'est un code secret de GTA pour ouvrir leur porte. C'est abusé. J'avais vu ça. Bon, ça m'est bien. Maintenant on peut enlever les verrous. Bon, en tout cas, mes amis, on va se quitter là pour le premier épisode. J'espère. Pourquoi il met des sons flippants tout le temps? On peut s'arrêter, me laisser faire l'outro 5 secondes ou pas? Voilà, en tout cas, c'était la première vidéo sur Alien Isolation. La prochaine devrait sortir dans pas longtemps, étant donné qu'il s'est pas encore passé grand chose, voilà. J'espère déjà que ça vous a plu, que le jeu vous plaît. En tout cas, pour l'instant, je suis étonné, vraiment dans le bon sens. Je trouve super le jeu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était Tips Iron. En attendant le deuxième épisode, gardez la pêche. Allez, ciao tout le monde.